où on va parler de motivation pour avancer et encore plus puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en crise sanitaire et je voulais faire cette vidéo parce que je rebondis sur un commentaire que j'ai eu sur la chaîne récemment en dessous d'une vidéo qui disait « Mais comment est-ce que tu peux rester aujourd'hui motivé ?»« Comment tu dois gérer ton budget pour devenir riche ?» Je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment tu dois gérer ton budget si tu veux devenir riche et mettre toutes les chances et tous les facteurs de ton côté. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner un maximum de conseils. Il y a des conseils que je m'applique pour moi-même, bien entendu, au quotidien, puisque c'est aussi comme ça et sur le terrain que je peux te centraliser un maximum de valeur pour te donner tous mes conseils et profiter de tous les conseils de ceux qui nous regardent, de l'ensemble de la communauté. J'en profite vraiment pour vous saluer, pour toi, te remercier à chaque fois que tu participes à cette vidéo parce que ça apporte un maximum de valeur. Sans plus attendre, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas recevoir en temps réel l'ensemble des futures vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion de son budget. Alors si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, tout d'abord, je vais te dire qui je suis. Je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs chaque année. Moi, mon associé et toute notre équipe, c'est plus d'une centaine de personnes dans des opérations immobilières clés en main à forte rentabilité. On va donc sur cette chaîne de manière générale parler d'immobilier, mais également de parler de comment s'enrichir. Donc pour 99% de la population, on va être vulgaire parce qu'on va parler d'argent, mais je vais te parler à toi les 1% qui ont envie de déplafonner ce plafond de verre pour aller le plus loin possible et te constituer, je te le souhaite, ton empire immobilier. On va parler de budget, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Globalement, tu dois peut-être te dire, mais pourquoi est-ce que je te parle de budget pour devenir riche? Parce que tous les riches, et il faut que tu aies ça en tête, moi ce que j'aime bien, c'est gérer ma vie comme je gère mon entreprise. Et toutes les entreprises ont un budget. Alors déjà, j'entends quand le synonyme aujourd'hui du mot budget, il est négatif. Ça veut dire restriction budgétaire, ça veut dire ne pas dépasser, ça veut dire que tu es privé. Il faut casser ça. Un budget, c'est être un bon gestionnaire. Ça ne veut pas dire ne pas le dépasser, ça ne veut pas dire être en dessous, le respecter, ça veut dire avoir une overview, une synthèse de par répartition, par poste de dépense, de comment finalement est constituée ta vie en termes de dépenses, en termes de recettes, en termes d'investissement. Et il faut vraiment que tu aies cette image parce que sinon, c'est comme piloter une entreprise à vue, piloter la trésorerie d'une entreprise à vue. Bah, tu mets le maximum de chances de ton côté pour aller dans le mur. Donc le but du jeu, c'est que tu puisses organiser ça. Ça ne va pas te demander 15 heures par jour. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de mettre un stop, de faire une photo à l'instant T et que tu puisses te dire, d'avoir un plan d'action précis pour te dire « Ok, ce qu'il est en train de me dire, je vais essayer de le faire pour le test sur ma propre vie et tu vas voir les bénéfices que tu peux en tirer pour prendre les très bonnes décisions. » Et en 1, le but pour bien gérer ton argent, c'est d'avoir des revenus passifs puisque c'est ça qui va être synonyme d'indépendance financière. Et déjà, à l'intérieur de ton budget, de tes différentes sources de revenus, je te propose de faire un focus sur les plus, donc sur les recettes, et que tu puisses me faire un focus sur ta propre situation d'aujourd'hui. En 1, est-ce que tu disposes de revenus passifs? En 2, si oui, de combien de sources de revenus passifs différents tu possèdes aujourd'hui, puisque le but, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc, c'est déjà de te dire et de faire un stop. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des revenus qui tombent et qui ne sont pas liés à mon travail, qui ne sont pas liés finalement au temps que je passe et qui ne sont pas directement corrélés du temps? Et c'est important ici que tu puisses déjà faire une synthèse et avoir une vision. Ça va te permettre de te dire déjà à l'intérieur de 100% d'argent que je gagne sur tous mes revenus passifs, quels sont les revenus qui sont passifs et quels sont les revenus qui sont tirés du travail. Ça va te permettre à court, moyen et long terme d'essayer de développer au maximum tes revenus passifs. On en parlera un petit peu plus après. En 2, bien gérer pour devenir riche, pas toute l'année, mais essaie de faire une photo à l'instant T et de regarder par exemple sur l'année précédente. Et ce que je te propose ici, c'est tu te fais un graphique, tu te fais un budget et tu te dis sur l'année qui est passée, tu fais un camembert,
quel est le pourcentage que j'ai dépensé pour, par exemple, mon loyer ou mon remboursement de crédit de résidence principale suivant si tu es locataire ou propriétaire. Quelle était la part sur mes loisirs? Quelle était la part sur la restauration? Quelle était la part sur les vêtements? Quelle était la part sur la famille et tout le reste? Et pourquoi je te dis ça? Parce que quelquefois, tu vas faire des petites dépenses comme ça couramment qui ne sont pas un montant significatif, mais que tu vas peut-être faire quotidiennement. Et à la fin de l'année, tu vas te dire « Ah ouais, mais j'ai quand même dépensé autant ». Et je te prends un exemple hyper simple et je te le mets ici à tous nos amis fumeurs que je salue. Faites ce test rien que pour savoir. Si tu fumes, dis-toi, mais tiens, combien j'ai dépensé, par exemple, en cigarettes sur l'année? Alors, si tu le payes en espèces, c'est un petit peu dur, essaye de faire une moyenne. Si tu le payes en carte bleue, parce que c'est de plus en plus cher, essaye de regarder. Et là, déjà, tu vas prendre conscience de l'impact de petites sommes considérables. Et est-ce que tu peux pas te dire, bah finalement, est-ce que c'est pas le moment de neutraliser cette dépense qui, au final, ne m'apporte rien, puisque bien entendu, ça va t'apporter plutôt du négatif en termes de santé. Et je suis pas là pour te faire la morale, mais je te prends un exemple très concret qui va parler comme ça à l'ensemble de la population et qui va représenter peut-être plusieurs kilos euros, plusieurs milliers d'euros. Et pose-toi cette question, est-ce que finalement, je peux pas m'en séparer? Et je fais ma propre introspection. Par exemple, ici, quand j'ai fait moi ma propre introspection, je me suis rendu compte que j'avais des dépenses qui étaient significatives en restaurant. Que ce soit en resto ou en livraison à domicile, parce que très concrètement, bah, j'avais la flemme de cuisiner et pour plein d'autres raisons que j'étais au travail. Et je me suis dit, waouh, mais je pensais pas que ça représentait autant. Alors, je veux pas dire le montant. Le but, c'est pas de dire bah, quel était le montant et quel est le montant de cigarette. Le but, c'est de te dire, waouh, au fond, mais ça peut être un plaisir. Encore une fois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est dire, voilà, sur une année, bah, le montant est significatif. Est-ce que franchement, j'ai besoin de dépenser autant en restaurant? Est-ce que finalement, il y a des fois, c'est quand même en restaurant ou en livraison à domicile, est-ce que c'est pas un peu disproportionné à l'intérieur du budget? Est-ce que c'est pas vraiment cohérent? Donc du coup, ici, le but, c'est de pouvoir te donner un aperçu de où est ventilée la dépense pour que les qui soit ventilé se soit alloué au bon endroit. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette partie-là, ça va être vraiment révélateur de ta consommation, de tes dépenses. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si c'est pas révélateur pour toi et t'en as pas conscience, crois-moi, et on en parlera, comme tu le vois au tableau, dans le point 3 et dans le point 4. Et d'ailleurs, si tu te le dis, je me suis pas trompé, point 3 investir, point 4 investir également. Et on va voir pourquoi je t'ai doublonné l'information. Parce que cette ventilation-là, crois-moi que s'il y a des dépenses somptueuses qui sont trop grosses par rapport à ton rythme de vie, et ben ce qui va se passer, c'est que ça va te gêner ici pour l'investissement parce que c'est également ce que va regarder la banque. Il faut ici que ce soit cohérent. Donc, ça va être révélateur et ça va t'aider à gérer, je te le mets ici, tes différentes priorités. Ça va te faire prendre conscience, est-ce que tu as besoin de dépenser autant en cigarettes? Est-ce que finalement, aussi pour faire un effort sur ma santé, et ça va faire aussi du bien à mes finances, je peux pas faire un effort sur la partie restaurant? Derrière, ça te permet de ce révélateur pour recaler parfaitement tes priorités. Il y a un impact aussi significatif parce que ça dépend aussi quel est ton reste à vivre. Mais le but du jeu, c'est d'avoir un reste à vivre. Qu'est-ce que le reste à vivre? C'est globalement, une fois que tu as payé tous tes crédits, tout ce que tu peux pas enlever, bah quel est le montant qui te reste pour vivre, et un matelas de sécurité aussi, un matelas d'épargne. Ici, ça va vraiment aussi diminuer le stress. Pourquoi? Parce que tout ce que je te dis là, et ça me tient à cœur parce que c'est à la fois l'investisseur qui parle, mais le chef d'entreprise, c'est être, j'adore ce mot, c'est être un bon gestionnaire. Et j'adore ce mot parce que gestionnaire, on le pense toujours gestionnaire argent, mais c'est aussi gestionnaire de ton temps derrière ça. Tout ça, être un bon gestionnaire, c'est être un bon gestionnaire de sa vie personnelle, de son temps, de ses priorités, c'est ici, et également bien entendu sur l'aspect financier. Donc faire un budget, ça ne veut pas dire que tous les mois tu vas tirer ton tableau Excel. Pour celles et ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout là-dedans, mais ça veut dire que c'est nécessaire. Une entreprise, chaque année, tu fais le bilan. Faire le bilan, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as une liasse fiscale, tu as un bilan, tu fais le bilan de l'année écoulée. Moi, je pense au minimum, tu dois t'accorder une fois par an le fait de regarder dans le rétroviseur. C'est la seule fois par an où une fois, tu t'accordes de regarder dans le passé. Ensuite, il faut aller de l'avant, il faut regarder l'avant. Mais une seule fois, tu dois te mettre en mode pause, regarder dans le rétro. Une entreprise, ça s'appelle le bilan. Et ici, tu peux faire ton graphique, ton budget, ton overview de l'année précédente pour fixer tes priorités de dépenses d'investissement pour l'année qui va suivre. Là, tu te dis, pourquoi 3 investir, 4 investir? Là, bien sûr, on va parler investir dans l'immobilier. Et si je te fais cette vidéo sur comment gérer ton argent pour devenir riche, c'est parce que si tu es un bon gestionnaire
comme ce que je viens de te dire ici, si tu as des bonnes priorités, tu vas pouvoir travailler sur un élément indispensable qui est ton reste à vivre. Bien optimiser ton budget et ton argent, c'est avoir un reste à vivre qui est conséquent. Donc un matelas de sécurité, de l'épargne, montrer à la banque que tu es capable de bien gérer. Et du coup, tout ça, ça va te permettre d'investir dans l'immobilier. Parce que si tu finis le mois à zéro, que tu n'as pas de capacité d'épargne, que tu ne te rends pas compte tes dépenses, dans quoi elles passent, mais que tu es toujours dans le rouge à la fin du mois, crois-moi que le point numéro 3, il n'existera pas. Il n'y aura pas d'investissement dans l'immobilier, il n'y aura pas d'embellie. Tu dois devenir gestionnaire de ta propre vie, prendre les responsabilités qui t'incombent, ne pas rejeter ça sur la faute des autres et tu vas pouvoir investir dans l'immobilier. Et c'est pour ça que c'est à la fois un cercle ou vicieux ou vertueux, c'est que plus tu deviens un bon gestionnaire, plus tu arrives à investir dans l'immobilier, plus tu es un mauvais gestionnaire, plus tu as de difficultés à démarrer ou à continuer ton ascension dans l'immobilier. Et le point numéro 4, si je te mets à investir, c'est qu'il ne faut pas voir que le côté matériel, investir dans l'immobilier, il y a aussi l'investissement en soi. Et tout ça, c'est lié au fait, je peux te le dire, d'être un excellent gestionnaire. Parce que si tu es un très bon gestionnaire de ton temps et de tes finances, il va te rester aussi du temps pour investir en toi. Ça peut être lire, ça peut être la méditation, ça peut être faire une thalasso, ça peut être prendre du temps et partir en vacances avec ta famille. Mais ça veut dire prendre une formation, apprendre sur l'immobilier, apprendre en musique, apprendre sur les tas de secteurs qui te passionnent pour devenir une meilleure version de toi-même demain. Et ça va te permettre ici de pouvoir investir à la fois dans l'immobilier et en toi. Et crois-moi ici, c'est vraiment un cercle vertueux. Parce que meilleur tu es gestionnaire, plus tu peux investir en toi, en immobilier. Et comme je te l'ai dit, sinon c'est l'inverse. Et si tu devais retenir une seule phrase de cette vidéo, je t'invite vraiment, et ce sera mon point numéro 5, c'est deviens le gestionnaire de ta propre vie. Et crois-moi, ce tips, il va te permettre demain d'investir en immobilier si tu étais bloqué au plus fortement et d'être une meilleure version de toi-même. Je t'invite à mettre en commentaire de cette vidéo les autres conseils. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif, c'est vraiment le maximum de valeur que je peux te donner par rapport à mon expérience et à mon parcours, mais pour la communauté parce que ça va énormément leur aider tes conseils et tes astuces pour que eux aussi ensemble, on devienne nous-mêmes une meilleure version de nous demain. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir les futurs conseils et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. On va parler capacité d'emprunt, c'est un sujet crucial puisque c'est ce qui va te permettre demain de dépasser ce plafond de verre et de pouvoir te créer, je te le souhaite, ton empire immobilier.